Côté fanatique Kebladio, bonjour, bonsoir à tous fanatiques Kebladio. Bienvenue avec nous. Jeudi, c'est Classico Real Madrid Barcelone. Dans pile monde qui n'est pas capable de jouer ça, eh bien, déjà arrivé et fanatique, nous dans les matchs là, dans pile monde qui déjà bien posé pour y aller suivre Classico ça avec Kebladio. Nous déjà bel et bien présent pour nous faire vivre Classico ça. Nambladi, Zamio, nous allons confirmer exactement 11 qui allons démarrer pour tous les deux équipes dans Classico Real Madrid-Barcelone. Nous connaissons déjà Classico ça, nous allons dérouler dans la Liga Santander là, dans le cadre de la 9e journée fanatique football, yo, des équipes ça, yo, qui allons gourmer pour être classement. Des équipes ça, yo, nous connaissons, c'est Pigo Classico, nous connaissons qui gagne, qui va jouer la fanatique, yo, c'est go, cause qui va le faire là. T'as les cons ça, Nambladi et fanatique, yo, nous va confirmer avec Nambladi, 11 qui va démarrer pour équipe Real Madrid, là, ainsi que 11 qui va démarrer pour équipe Barcelone. On a commencé avec équipe Caprice, qui c'est Real Madrid fanatique, Carlo Ancelotti qui va en face, monsieur ça qui c'est Xavi fanatique contre Galway, Robert Lewandowski, Benzema c'est gros cousin jodi en la fanatique, nous capable dire internet là bral craser jodi en là avec Classico ça fanatique. Nous va parler tout en entrée dans 11 officiel qui va démarrer à côté équipe Real Madrid. Entraîneur, nous connaissons déjà, c'est Carlo Ancelotti, qui campe équipe là, c'est 4-3-3 fanatique. Nous connaissons pas gentil beaucoup toi, c'était déjà confirmé dans la vie, c'est Loulina qui en bagol là, fanatique football. Yo. La défense là, nous avons monsieur ça qui c'est Mendy qui à gauche fanatique, David Alaba et Eden Militao dans la défense centrale, Carvajal dans la latéral droit. Mitad terrain c'est Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos fanatique. Dans l'attaque là, yo gagne c'est Valverde, Benzema, Vinicius. C'est Jean Journal As dans pays Espagne fait nous connaître fanatique. Et bien c'est comme ça Real Madrid même li démarre jodi. Qui ça nous pense de l'équipe Real Madrid là? Est-ce que c'est comme ça nous t'apprit tant équipe là dans main Carlo Ancelotti? Si c'est comme ça, fais la di konnen nan yon commentaire. Kounya nou pral fò konnen comment équipe Barcelone li même pral démarrer là face à équipe Real Madrid là dans Classico Sila. Xavi nous connaissons lui même qui entraîne équipe en Sila, li campé là 4-3-3 fanatique. Nous pral capable ensemble avec Blazi dans 4-3-3 ça qui est ça qui pral démarrer pour équipe Barcelone. En bas de là, il y a Marc-André Ter Stegen fanatique. Nous sommes capables de dire dans la défense, il y a dans le latéral droit, c'est Sergi Roberto. Dans la défense centrale, Eric Garcia, Gilles Koundé. Dans le latéral gauche, il y a Alex Balde. Dans le milieu de terrain, c'est Pedri, Busquets, Franky De Jong. Dans l'attaque, il y a Rafinha, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé. Voilà, c'est comme ça, Xavi lui-même démarre là face à l'équipe Barcelone dans Classico Sila. Qui ça nous pense de l'équipe Xavi Campila devant l'équipe Real Madrid là? Est-ce que c'est l'équipe ça? Nous t'apprêtons dans mes avis et fanatiques. Avant la rencontre là, comment se déroule? Faites la dit qu'on est dans un commentaire. Pas bien, nous te dit fanatiques, pour nous. Nou. Et pronostic match ball ça, nous déjà gagné une minute qui est réservée pour fanatique football si la yo. Pour nous capable bay tout le monde qui t'a arrivé bay et pronostic match ball ça, c'est ba nous le complet, ba nous moun kap marqué gol yo, ba nous yo exactement et puis ou ap gen minute, même les gen 10, 15, 20 qui bay li, tout le monde sa yo ap gagné une minute nan bladi. Exemple, si c'est Barcelone kap gagné, combien gol l'a gagné, qui est-ce kap marqué? Point bas, ou ap gen minute nan bladi. Fanatique yo, c'était un plaisir. Nous devons passer information si la vous. Dans quelques minutes, nous avons rejoint nous pour nous capables de venir avec Classico Real Madrid Barcelone.